نجتمعوا على بعد ايام معدوده من انطلاق البطوله الوطنيه الاحترافيه. اليوم الموضوع ديالنا هو باش نقدموا الطاقم التقني للفريق الاول والمكونات البشريه اللي غادي تكون في اللائحه ديال اللاعبين النهائيه ديال هذا الموسم، وبعض المؤشرات المهمه فيما يخص هاد التركيبه البشريه، وايضا بالنسبه للسياسه ديالنا ديال تكوين الشباب. Mes priorités sont de trois genres d'abord. D'abord, effectivement, remettre en selle et redynamiser l'équipe première. Après là, effectivement, avoir son chemin naturel, c'est-à-dire être dans les pôles positions. Cette saison, c'est une saison vraiment de test avec cette nouvelle vision. On espère vraiment arriver à stabiliser très vite le groupe. Les préparatifs sont extrêmement aujourd'hui positifs, elles donnent des signaux très positifs. On est confiants, on a confiance en nous, pour aller justement remettre les choses en scène. Pour que les deux saisons qui vont rester avec ce staff technique, on puisse justement aller revisiter nos objectifs. Et on a déjà remporté le championnat, on a remporté les Coupes du Trône, on a remporté la coupe d'Afrique. Et là, c'est quelque chose de légitime et de naturel. Ce n'est pas quelque chose c'est pas un rêve irréalisable. On l'a fait. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas retourner et faire la même chose et faire peut-être mieux. Donc, le premier objectif, c'est mais sans trop de pression. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le contrat que nous avons avec Steven Hachem, il y a une seule condition, c'est qu'il doit maintenir toujours au moins 50% de l'effectif de l'équipe A, des jeunes joueurs issus du centre de formation. Au-delà de ça, nos objectifs sportifs, on va de manière itérative les revoir avec lui en fonction de l'évolution de la situation et des bilans d'étapes seront faits de manière régulière. Donc ça, c'est la première priorité. La deuxième, c'est justement continuer et développer davantage cette politique de formation qui finalement, les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, apporter ses fruits, que ce soit en termes d'alimentation de l'équipe A, mais aussi des équipes nationales. On l'a expliqué, on a donné tous les chiffres, nous alimentons l'ensemble des catégories de l'équipe nationale, depuis l'équipe nationale du joueur le court, les U23, les U20, les U17 et les U15, où à chaque fois un contingent important des joueurs du FUS sont présents. Donc ça c'est un témoignage, ce sont les coachs de l'équipe nationale de la fédération qui les sélectionnent, ça veut dire qu'ils sont au point et qu'ils obéissent à tous les critères de sélection. Donc développer encore, parce que la politique de la formation dans le domaine du football est une politique où il faut avoir du souffle. On sème une graine aujourd'hui mais on la récolte, si vous voulez arriver à l'équipe A un jour, dans 10 ans ou dans 5 ans, 6 ans, 7 ans au minimum. Et donc il faut avoir de la patience, c'est un investissement humain. Un investissement technique et un investissement pédagogique. Donc là, c'est mon deuxième axe de travail. Troisième, c'est, j'en ai parlé, l'équipe féminine, pour un peu donner de l'élan. Il n'y a pas de raison que le FUS soit absent des équipes d'élite. Il est temps pour nous d'aller accroître notre ambition de manière sereine, de manière rationnelle, mais avec beaucoup de volonté et du dynamique pour pouvoir y arriver. Donc ce sont mes trois priorités. Et bien entendu, les choses évoluent. S'il y a d'autres projets, bien sûr, dans la gestion de la section, par moderniser le management de manière à se diriger vers la digitalisation donc, et pouvoir profiter de la e-gestion, des nouvelles technologies, de la communication et de l'information. Donc tout ça, ce sont des objectifs qu'on se trace et sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans des points de rencontre, comme je l'ai expliqué avec les médias, pour pouvoir à chaque fois partager avec vous l'information et aussi à travers notre site web qui est extrêmement dynamique, où à chaque fois on rend compte de ce que nous faisons pour que toute l'opinion publique et surtout le public du FUS à qui je veux rendre hommage aujourd'hui s'intéresse énormément et suit l'actualité de son club au jour le jour, et j'espère qu'on aura à atteindre nos objectifs Inch'Allah.